Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3 et comme chaque dimanche, c'est une vidéo build qui nous attend. Nous allons nous attarder sur une classe que nous n'avons pas passée en revue sur patch 2.6, il s'agit du féticheur. En termes de gameplay, bon, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté, donc vous devez sûrement connaître si vous regardez mes vidéos. C'est un build qui fonctionne très bien... comme un bulldozer en fait, qui fonctionne comme un bulldozer, donc ça écrase tout ce que vous croisez sur votre passage. C'est pas forcément comment dire, flexible en termes de déplacement, en termes de ciblage de monstres. C'est pas top top en termes de mono-cible ou sur les petits packs de monstres, mais dans l'ensemble ça fonctionne plutôt pas mal et ça tank bien, ça avance pas mal. C'est plutôt un build que j'apprécie jouer, en tout cas pour Féticheur. Donc il s'agit d'un build que je vous ai déjà présenté depuis un petit moment. On part sur le set de Crocs de l'Enfer avec les Gargantua et les Chiens Zombies. Donc c'est un build que je vous ai déjà présenté, donc on va passer relativement vite sur l'équipement, les sorts à utiliser, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté que vous devez connaître. Donc au niveau de l'équipement, on part sur du 5 pièces crocs de l'enfer. 5 pièces crocs de l'enfer, donc avec les épaules, le torse, les gants, les jambes et les bottes. Ensuite, nous allons partir sur le casque masque de Jérôme. Masque de Jérôme qui permet en fait de booster les dégâts des familiers. Chose très importante dans notre bulle, donc, vu que nous allons avoir à la fois les chiens et les gargantuas pour DPS sur notre build. On va partir ensuite sur l'amulette promesse du voyageur qui va avec l'anneau, la rose des vents, donc pour le set de la marche sans fin, qui permet d'augmenter en fait les dégâts quand vous êtes immobile, mais de booster votre résistance, donc réduire les dégâts subis quand vous êtes en déplacement. On part après sur l'heure du crime pour la ceinture pour augmenter en fait les dégâts. Les brassards, donc ornement de l'Akumba pour justement réduire les dégâts subis à chaque cumul de moissons d'âme. Au niveau du deuxième anneau, on part sur le doigt de l'homme petit, très très important, qui vous permet en fait d'invoquer 3 gargantua au lieu d'un seul. Mais chaque gargantua en fait fera plus de dégâts que le grand gargantua tout seul. On finit par le duo arme et mojo. Donc l'arme, on part sur le moissonneur sacré qui permet en fait d'augmenter les stacks de moissons d'âme et la mésaventure d'Henri, ce pauvre petit chat pendu ou suspendu par une corde dans la main du féticheur qui permet en fait la première fois qu'un ennemi vous inflige des dégâts qu'il soit réduit et que l'ennemi soit envoûté pendant 3 secondes. Donc ça vous permet d'avoir un peu de contrôle. Donc voilà au niveau de l'équipement. Alors moi je suis gémé full intelligence avec DHP sur mon casque. Tout simplement parce que voilà, la faiblesse principale du build n'est pas comment dire, la résistance. Enfin du moins ça dépend des circonstances, je t'expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, full inté pour un maximum de dégâts. Au niveau des gemmes légendaires, fléau des accablés, cheville ouvrière pour booster les dégâts des familiers. Et perte du piégé parce qu'on va jouer énormément sur le contrôle du coup... ça va booster un petit peu les dégâts globaux. Au niveau du cube, on part sur la fournaise qui augmente les dégâts sur les élites. Tasker NTO obligatoire pour tout ce qui est build à familier pour augmenter la vitesse d'attaque des familiers. Et la note grandeur royale qui va nous permettre de taper dans le bonus 6 pièces du set de Crocs de l'Enfer avec 5 parties d'équipement. Voilà pour l'équipement. Au niveau des sorts, on va partir sur Piranha Trombe de Piranha Trombe de Piranha qui vous permet en fait de faire une tornade de piranha, de paquer des monstres dans une zone qui devrait en général être délimitée par le sort mur du trépas Union des Esprits qui vous permet en fait aux ennemis qui sont dans cette zone là de les glacer et de réduire les dégâts qu'ils infligent. Donc on a aussi une réduction de dégâts subis ici. En plus de l'équipement. Ensuite le gargantua démesuré qui vous permet en fait justement de frapper plusieurs ennemis à la fois par le gargantua. Donc au lieu d'être en monocible, il tapera en zone. La marche fantôme sectionnement qui vous permet en fait de vous sortir de situations compliquées ou de vous repositionner en cas de besoin.
les chiens zombies bêtes suceuses de sang qui vont permettre de régénérer des points de vie en fonction des ennemis qu'ils attaquent. Le mur du trépas, communion des esprits, c'est ce qui va vous permettre, donc, comme je disais, de geler les ennemis et de réduire les dégâts qu'ils infligent. Le moissonneur d'âme, langueur, qui va vous permettre en fait d'augmenter votre armure et de réduire la vitesse de déplacement des ennemis, mais ça augmente aussi l'intelligence, donc ça booste aussi vos dégâts. En termes de passif, fin tragique, rituel de confiance, percer le voile et médianoche. Donc je vous disais, la robustesse n'est pas un problème sur le build. Surtout si le moissonneur est de moissonneur moisson d'âme pardon est stacké. Si vous ne l'avez pas stacké, vous êtes une chips. Donc les premiers roulements de sort vont être de spammer, d'invoquer un gargantua, d'invoquer vos chiens, histoire de vous faire entre guillemets une barrière protectrice contre les dégâts à distance, et vous allez rentrer au corps à corps et stacker votre moisson d'âme pour augmenter votre votre intelligence et votre armure. À partir de ce moment là vous allez pouvoir être tanky, vous n'allez pas avoir de problème. Vous allez voir au niveau de la vidéo, en fait à un moment j'ai joué trop le zèle, etc. Je pensais que je pouvais me sortir de la situation en claquant une moisson d'âme et que j'allais pouvoir tanker les dégâts du boss de faille, et au final je me suis fait rect. Du coup je me suis retrouvé à poil là je me suis refait shooter par le boss de faille, et n'ayant ni le gargantua ni les chiens pour tanker et n'ayant aucun stack de moisson d'âme, j'ai enchaîné du one shot, et là on perd rapidement beaucoup de temps au niveau de notre fight. Donc du coup j'ai dû régénérer, jouer le timer pour pas me faire one shot en attendant que les chiens et le gargantua soient up, et à ce moment là j'ai essayé de me rapprocher, de stacker mon moisson d'âme tout en ayant un peu de distance, de sécurité pour pas me faire exploser. Donc voilà, c'est le seul point faible, c'est ça. C'est à partir du moment où vous mourrez, tous les stacks que vous avez pu récupérer, etc., vous repartez à zéro et vous êtes fragile. Surtout si vous êtes dans un pack de monstres ou un pack d'élite, vous êtes énormément vulnérable. Le pire reste la foudre. C'est la foudre, c'est ce qu'il y a de pire. Elle va tomber du ciel, vous allez vous faire exploser sans comprendre pourquoi, comment. C'est du one shot, donc faites attention là-dessus. N'hésitez pas à prendre vos distances et nettoyez bien vos arrières, de manière à ce que quand vous rentrez dans une situation comme celle-ci, vous puissiez faire un retour arrière, ou attendre les cooldowns et récupérer, recroiser des monstres petit à petit pour remonter vos stacks de moisson d'âme. Sinon, aucun problème, ça avance, ça a du contrôle, ça a du DPS, c'est un build qui fonctionne très très bien. J'ai pas un build opti. Et voilà, j'ai pu faire la faille 70 sans trop de difficultés, avec de la marge. Voilà pour ce petit build. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus aussi si vous avez aimé cette vidéo. À vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos Diablo 3. Donc que ce soit sur mon personnage hardcore, sur des futurs builds, donc 2.6, voire 2.6.1. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je commence à faire un peu l'état des lieux des builds 2.6.1, ou si vous souhaitez que je reste sur le 2.6 et vous présenter d'autres builds. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis oui, la faille probatoire aussi sur Diablo 3. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.